Violent affrontement ce lundi entre éleveurs et population dans la commune de Matéri. Deux personnes ont perdu la vie dans cet incident. Des habitations et greniers appartenant aux éleveurs de la localité sont saccagés. Précision à suivre dans ce 13h. Le point focal Éduc Master à la direction départementale des enseignements secondaires du Bogou parle des nouveautés de cette plateforme et le suivi des notes des élèves, un outil qui est venu révolutionner la gouvernance au niveau des lycées et collèges. Vous le suivrez dans cette édition. Les divergences politiques ne seraient privées les Béninois en difficulté de leur droit de bénéficier du soutien de leur pays. Ce sont là les propos du porte-parole du gouvernement sur une chaîne de télévision privée. Wilfried Léandre Ngbedi a réagi suite à l'arrestation et à la libération de l'activiste Kemi Seba. Vous aurez les détails. Voilà pour les grandes lignes. Mardi 22 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Fraternité Midi Magazine. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Un nouveau navire a accosté ce dimanche pour charger du pétrole brut nigérien sur la plateforme de Semekboji. Après le départ d'un quatrième navire, il y a quelques jours, un cinquième pétrolier battant pavillon libérien et mesurant plus de 200 mètres a accosté dans les eaux béninoises pour la même mission. Le navire est prévu pour charger 130 000 tonnes de pétrole brut à destination de la Malaisie. Selon les formation, le chargement débutera ce lundi et le navire quittera les eaux béninoises ce mardi 22 octobre 2024. Et dans le cadre de cet accord de transport, le Bénin percevra un droit de transit de 0,50$ par baril pendant les 10 premières années. Je l'annonçais tantôt, quelques jours après l'arrestation et la libération de Kemi Seba, le gouvernement béninois réagit. Lors d'une émission sur la chaîne de télévision TVC, le porte-parole du gouvernement a précisé que si l'activiste Kemi Seba avait eu besoin de la protection ou de l'intervention du Bénin, le pays ne se serait pas privé de son soutien. Par la suite, Wilfried Léandre Ngbedi rassure que les divergences politiques ne sauraient priver les Béninois en difficulté de leur droit de bénéficier du soutien de leur pays. On l'écoute. Monsieur Kapochichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés en attendant d'en savoir davantage. Et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent. On dit les autorités judiciaires française, nous observons s'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Wilfried Léandre Ngbedi précise que par principe, le Bénin n'extrade pas ses compatriotes auteurs d'un impair dans un pays étranger. Il rassure par la même occasion que les citoyens béninois à l'étranger sont exemplaires. On écoute le porte-parole du gouvernement. Figurez-vous que si par exemple un Béninois, et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit su et qu'on le recherche, qu'il s'agisse de M. Kapochichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas estradé. Parce que par principe, le Bénin n'estrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapochichi
Kouachichi ou quelqu'un d'autre aimerait partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce que a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois, en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire. Et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. La zone économique et industrielle de Glodjigbé est désormais un dispositif de transformation des produits locaux mis en place par le gouvernement du Bénin. Elle participe de ce fait à l'amélioration de l'économie nationale, ceci grâce aux différentes activités qui s'y mènent. C'est ce qui ressort des propos de Letondi Béétan, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. À la faveur d'une sortie médiatique, il a précisé les avancées remarquables réalisées par le Bénin dans la transformation des produits locaux grâce aux industries installées à la GDIZ. Selon Letondi Béétan, cet effort réalisé par le Bénin dans la transformation locale est un coup de pouce considérable pour l'économie de notre pays. On écoute le directeur général de la CIPI Bénin. Comme vous le savez si bien, la zone économique spéciale de Glodjigbé aujourd'hui est un dispositif important de notre économie. Vous savez, la problématique dans beaucoup de pays africains, c'est comment transformer nos économies. Et donc, beaucoup de pays s'y sont essayés, mais n'ont pas trouvé, disons, la façon de le faire. Et donc aujourd'hui au Bénin, je pense que nous avons démarré quelque chose qui est devenu un modèle que beaucoup de pays à travers le monde essaient de voir pour comprendre comment nous avons pu en arriver là. Vous savez, pour développer un pays, il faut nécessairement passer par la transformation des matières premières. Je sais pas, la plupart des pays développés aujourd'hui sont développés parce que ils ont pu transformer leurs matières premières. Et la plupart des pays africains depuis les indépendances ont toujours cherché à transformer leurs matières premières, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à le faire. Et donc aujourd'hui au Bénin, nous sommes en train, disons, d'y arriver. Nous avons amorcé l'industrialisation de notre pays et c'est ça qui s'est matérialisé par la zone industrielle de Glodjigbé. Et face à la rumeur persistante faisant état de ce que la GDIZ serait la propriété du président Patrice Talon, le directeur général de la CIPI Bénin s'est voulu rassurant. Selon Letondi Béétan, la zone économique et industrielle de Glodjigbé n'appartient pas à Patrice Talon. Elle précise par ailleurs que la GDIZ est une structure privée dont le Bénin est actionnaire à plus de 30%. On écoute les explications du directeur général de la CIPI Bénin, Letondi Béétan. Dans cette zone aujourd'hui, nous avons des industries qui s'installent et qui transforment, que ce soit le coton, les noix de cajou, le soja, le karité et d'autres matières premières. Et donc ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des investisseurs, ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des décideurs de ce monde et qui parfois viennent visiter la zone de façon non sollicitée. Bien sûr, nous recevons beaucoup de personnalités qui décident d'eux-mêmes de venir voir ce qui se passe dans la zone. La zone économique spéciale de Glodjigbé n'appartient pas au président Patrice Talon. La zone économique spéciale de Glodjigbé est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. La République du Bénin est actionnaire à 35% et le groupe Arise à 65%. Les actions de la République du Bénin sont portées par la SOPI, la Société des patrimoines immobiliers de l'État, qui a pour mission de promouvoir, de valoriser et développer le patrimoine immobilier de l'État. Je peux vous rassurer que le foncier appartient à 100% à la République du Bénin. Mais la société qui gère la zone est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise.
Je l'annonçais en titre, le village de Koufo-Piscar, dans l'arrondissement de Gouandé, commune de Matéri, a été secoué par un violent affrontement ayant entraîné la mort de deux personnes ce lundi 21 octobre 2024. Les tensions récurrentes entre les éleveurs et les populations locales ont dégénéré en violence avec des habitations et greniers appartenant à des éleveurs saccagés. Ce type d'incident n'est malheureusement pas le premier dans la région. Et face à cette situation, une intervention conjointe des forces de sécurité composée de policiers et de militaires a été déployée pour tenter de calmer les esprits et empêcher de nouvelles attaques. Cependant, les tensions n'ont pas pu être contenues dans un premier temps. Un des meneurs des attaques a été tué lors de l'intervention et dans un mouvement de colère, la foule a également pris pour cible un éleveur et qui a perdu aussi la vie. Le maire de la commune de Matéri s'est rendu sur les lieux pour tenter de ramener le calme et apaiser les esprits. Nous marquons une courte pause avant la suite de cette édition. On parle éducation dans cette édition et depuis le lundi 16 septembre dernier, une nouvelle rentrée scolaire a eu lieu au Bénin. Plus d'un mois après, il se révèle que les activités pédagogiques se déroulent conformément au calendrier établi. Ce qui convient de retenir des propos de quelques responsables d'établissement rencontrés par une équipe de reportage de votre radio au complexe scolaire Les Assurés. Par exemple, les activités se déroulent sans anicroche. Les enseignants exécutent normalement le programme scolaire et les apprenants sont assidus au cours, comme le précise ici Vincent Olou. Il est le directeur du complexe privé Les Assurés de Parakou. Comme nous avons vite pris toutes les dispositions pour commencer l'année scolaire, je pense que aujourd'hui nous sommes déjà très loin dans l'exécution du programme. Aussi par rapport à l'effectivité des professeurs, bon, nous ne manquons pas de professeurs. Tous les professeurs sont là, les élèves aussi, et nous avons mis un point sur la discipline, ce qui fait que aujourd'hui vraiment on ne se plaint pas trop dans l'exécution du programme. Comme je l'ai dit, nous avons vraiment avancé. Nous avons avancé sans fausse modestie. Aujourd'hui, avec les élèves que nous avons, je pense que on peut être un peu soulagé. Un, sur le plan disciplinaire, je pense que on n'a pas d'élèves indisciplinés. Et ceux qui sont là, c'est des élèves qui ont vraiment la volonté d'aller de l'avant. Ils ont vraiment la volonté. Comme ça, les professeurs sont obligés de les accompagner. Dans le privé, c'est le système trimestriel. Alors, le taux que l'État nous a fixé pour l'année, nous avons décliné ça en trimestre. Donc, ça fait 3 trimestres. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé les 50% d'exécution du programme du premier trimestre. Pour maximiser le taux de réussite au cours de cette année scolaire et plus particulièrement aux examens de fin d'année, des stratégies ont été mises en place par les responsables de cet établissement. Vincent Olou appelle par la même occasion les parents à plus d'engagement pour la réussite de ces objectifs. On écoute le directeur du complexe Les Assurés pour plus de précisions. Pour chaque collège sérieux, l'objectif au niveau des classes d'examen, c'est d'avoir les 100%. Autrement dit, de faire 100% à l'examen. Alors, donc, voilà un premier objectif que nous nous sommes fixés. Au niveau des classes intermédiaires, même si un élève va reprendre, ce serait bon. En tout cas, peut-être pour cas de maladie et autres. Autrement dit, ils seront obligés. On va les obliger à travailler. Donc, 100% pour l'examen. Pourquoi pas 100% pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires. Donc, il faut qu'ils passent en classe supérieure. Aussi, il faut qu'on puisse organiser les TD. Nous avons déjà pris toutes les dispositions, puisque les TD aident beaucoup les enfants. Nous demandons aux parents d'accompagner les enfants. C'est vrai que les TD ne sont pas totalement gratuits. Et il faut qu'ils puissent débourser même le minimum que nous demandons pour l'accompagnement des professeurs. Il faut que les parents puissent le faire. C'est un outil qui est venu révolutionner la gouvernance des écoles, lycées et collèges au Bénin. Il s'agit de la plateforme EducMaster,
un mécanisme mis en place depuis plus de 5 ans et qui lutte contre les inscriptions frauduleuses et le suivi du parcours aussi bien des apprenants que des enseignants. La plateforme web regroupe plusieurs acteurs et présente des avantages pour le système éducatif. Des avantages dont parle ici Abdoul Hakim Saray, point focal EducMaster à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Borgou. Tous les établissements qui sont là-dedans, vous voyez, ils ont les apprenants qui sont enrôlés sur la plateforme avec des matricules et ils ont tout le cursus qui est retracé sur la plateforme EducMaster. Les enseignants également, ils sont tous sur la plateforme EducMaster, y compris leurs emplois du temps. Même moi-même, je suis là, sur la plateforme. Nous sommes tous là, le directeur, tout le monde, le directeur départemental, tout le personnel du ministère est là-dessus. Et vous voyez, en temps, quand les inspections se déroulent sur le terrain, avec l'outil EducMaster, les inspecteurs, avant même de quitter leur bureau, avant même de programmer la mission, ils ont déjà les emplois du temps de tous les enseignants sur ce type d'être visité. Et ils peuvent descendre directement dans les établissements. À ce niveau-là, par exemple, c'est une grosse révolution. Et le fait que les emplois du temps également soient sur la plateforme permet à l'autorité de se rendre compte du respect des normes de création des groupes pédagogiques, du respect des quotas horaires à attribuer à chaque enseignant. L'une des principales nouveautés qu'apporte la plateforme est le suivi des notes des élèves au niveau de l'enseignement secondaire. Un mécanisme qu'explique le point focal EducMaster à la DDS du Borgou, Abdoul Hakim Saray. Sur la plateforme EducMaster, il est dit que l'importation des notes se fait conformément à la note de service numéro 678/STFP/DC/SGM/SA du 12 octobre 2023 avec les dates limites de fin d'importation suivantes. Établissement à régime trimestriel. 31 janvier pour le premier trimestre, 30 avril pour le deuxième trimestre, 31 juillet pour le troisième trimestre. Établissement à régime semestriel. Oui. 31 mars pour le premier semestre et 31 juillet pour le second semestre. La note a été signée par l'autorité. Le ministre ? Avant cette note de service, il n'y avait pas un document qui fixait rigoureusement comme ça les dates limites d'importation des moyens. Et cette information en bref, la Fédération nationale des étudiants du Bénin ordonne la fermeture de Radio Univers pour atteinte au principe d'alternance. Dans un communiqué en date du lundi 21 octobre 2024, la FNEB a officiellement annoncé la fermeture de Radio Univers, la station de radio de l'université d'Abomey-Calavi. Selon le président de la FNEB, cette décision intervient suite à des dérives observées au sein de l'équipe dirigeante de la radio qui aurait compromis les principes d'alternance démocratique et de l'égalité. Le communiqué dénonce la mainmise d'un groupe d'anciens étudiants sur la radio et qui, selon la FNEB, aurait instauré un système de gouvernance autoritaire et manipulé. Les processus de désignation des responsables de la station, ces pratiques auraient contribué à la marginalisation des étudiants inscrits, véritables bénéficiaires de l'institution. Les locaux de Radio Univers resteront fermés jusqu'à nouvel ordre sous la supervision du Conseil central et fédéral qui s'assurera du respect strict des principes d'alternance. Place au journal sport. Information sportive, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour, Daryl Medegafaga. Cannes 2029, une première candidature déjà annoncée. Oui, en marge de la 46e Assemblée Générale de la CAF, la Confédération Africaine de Football, à Addis Abeba ce mardi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la candidature de son pays pour accueillir la Cannes 2029, et ce alors même que les dates de soumission des candidatures n'ont pas encore été communiquées. En réception de la dite proposition, Patrice Motsepe, le président de la CAF, en a profité pour encenser l'état d'Afrique de l'Est. L'Éthiopie est un beau pays. Nous examinerons leur proposition
au moment opportun, a déclaré donc le dirigeant sud-africain. L'Éthiopie est une grande habituée de l'organisation de la grande messe du football africain pour en avoir déjà été l'hôte à trois reprises, 1962, 1968 et 1976. En prenant les devants pour la course à l'organisation, elle va ainsi au bout de sa logique, là où le Sénégal s'est rétracté il y a quelques jours, la semaine dernière. En effet, la ministre sénégalaise des Sports, Kadidiène Gueye, a annoncé le renoncement des champions d'Afrique 2021, alors que la tendance était plutôt à l'optimisme il y a encore un an. Et puis, Ligue des champions, le programme du jour. La troisième journée de la Ligue européenne des champions débute ce mardi avec des affiches intéressantes au menu, dont le choc entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu à partir de 20h. À la même heure, le Paris Saint-Germain tentera de se relancer face au PSV Eindhoven après sa défaite contre Arsenal il y a trois semaines. Arsenal, justement, va se mesurer au Shakhtar Donetsk à l'Emirates Stadium. À suivre aussi Juventus Stuttgart, Aston Villa, Boulogne, Gérone, Slovan, Bratislava et Sturm Graz, Sporting un peu avant à 17h45 minutes. Monaco accueille l'étoile rouge de Belgrade au stade Louis II pendant que le FC Bruges se rend en Italie pour défier le Milan AC. Merci Jacques Degbé. C'était les informations sportives. Ce journal se poursuit avec les informations hors de nos frontières. Mansourat Adeni Djibril, bonjour. Bonjour Daryl. On commence par le Cameroun. Après cette semaine d'absence et d'inquiétude, le président Paul Biya de retour au pays. Après une absence de 42 jours, le président camerounais Paul Biya est de retour à Yaoundé. L'avion en provenance de Genève avec le président et son épouse Chantal Biya a atterri à l'aéroport de Yaoundé peu avant 17h. Paul Biya ne s'est pas adressé au public à son arrivée sur le tarmac camerounais, mais il a salué ses partisans à travers la vitre de sa voiture. Au Gabon, pour finir, le test final du projet de nouvelle constitution publié. Le pays est sur le point de se doter d'une nouvelle constitution. La version définitive du nouveau projet a été rendue publique cette semaine. Désormais, un seul parent gabonais, lui-même né gabonais, est nécessaire à tout candidat à la présidence contre les deux parents dans la version précédente. Le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession. Le régime présidentiel gabonais inclut deux vice-présidents aux côtés du chef de l'État détenteur du pouvoir exécutif et le président peut dissoudre l'Assemblée. Merci Mansour Djibril pour ces informations sur le continent. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse nationale Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le pétrole brut nigérien transite désormais sans heurts par le Bénin. Le dimanche 20 octobre 2024 à 7h, un cinquième navire a été aperçu à la station terminale de Semekpoji. Fraternité en parle précise que ce navire qui bat pavillon libérien mesure 275 mètres de long et peut contenir 130 000 tonnes de brut nigérien. Les sources renseignent que le chargement du pétrolier aurait démarré dans l'après-midi du lundi 21 octobre 2024 et une fois chargé, le navire va quitter les eaux béninoises le mercredi 23 octobre 2024 et va se diriger vers la Malaisie. La publication rappelle que le transit du pétrole brut nigérien par le Bénin a fait couler beaucoup d'encre et de salive après plusieurs mois de tiraillement entre les deux pays sur les conditions des chargements des navires. Ils se sont finalement accordés sur l'essentiel et cela s'est traduit par l'acceptation par le Niger de l'ambassadeur du Bénin Gilda Sagonkan et deux autres événements majeurs sont venus renforcer les relations entre les
deux pays fait remarquer la publication. Le 6 septembre 2024, à marge du Forum de coopération sino-africaine, Olusegun Ajadi Bakare, le ministre des Affaires étrangères du Bénin et son homologue nigérien Bakare Yahou Sangaré, se sont retrouvés à Beijing en Chine pour un entretien sur la coopération bilatérale fait remarquer la publication qui précise que cette rencontre placée sous le signe du renforcement des liens fraternels qui existent entre les deux pays a permis d'aborder divers sujets cruciaux. Et aussi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se sont-ils rencontrés le vendredi 27 septembre 2024 où ils ont engagé un processus de normalisation de leurs relations en Bénin depuis le coup d'état du général Abdourahmane Tiani en juillet 2023. Et même si la frontière de Malanville reste toujours fermée, il n'en demeure pas moins que la paix s'installe progressivement et des pistes de solutions sont en cours pour une normalisation totale des relations, fait remarquer la publication qui ajoute que d'ailleurs à ce sujet, le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Nguédia lors d'une récente rencontre avec la presse rassurée que le Bénin va accomplir tout ce qui est de son devoir pour la normalisation des relations entre les deux pays. Seulement jusqu'ici, en dépit des pas précieux vers la normalisation, l'apparition de la fumée blanche se fait toujours désirer, conclut la publication. Et toujours relativement à la crise qui oppose le Bénin au Niger, les transporteurs béninois font face à une nouvelle contrainte imposée par les autorités douanières nigériennes. Cette mesure est dénoncée par El Adjerabi Ougarba, le président du syndicat des transporteurs et importateurs nationaux et assimilés du Bénin, exige désormais un dédouanement obligatoire pour tous les camions immatriculés au Bénin de leur entrée sur le territoire nigérien. Éveil Info, la nouvelle tribune Le Potentiel, 24 heures au Bénin et bien d'autres publications en parlent et précisent que contrairement aux camions d'autres nationalités, cette obligation ne concerne que les véhicules béninois sans s'appliquer aux marchandises transportées. Une disposition selon Éveil Info que le président Garba qualifie de discriminatoire et injustifiée, craignant qu'elle n'affecte gravement les activités des transporteurs béninois. Et le syndicat, face à cette situation incertaine, conseille par ailleurs aux transporteurs béninois de suspendre temporairement leur trajet vers le Niger afin d'éviter des blocages et des pertes financières potentielles, conclut les publications. Et dans la suite de cette revue, après des migrants en instance de rapatriement de la Guinée équatoriale, plusieurs autres bloqués en Algérie appellent instamment les autorités béninoises ainsi que l'Organisation internationale pour les migrations à s'impliquer dans leur processus de retour actuellement entravé par des formalités administratives. En effet, poursuit le même journal, 150 migrants selon les chiffres rapportés par plusieurs publications se trouvent depuis plusieurs mois confrontés à une situation de statu quo. Inscrits au programme de retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations, ils demeurent en attente des laissez-passer indispensables à leur rapatriement en raison de l'absence de passeport valide. Et la procédure qui requiert une coordination entre les autorités béninoises et l'OIM semble progresser lentement d'après leurs observations et la situation devient alarmante d'autant plus que ces migrants sont confrontés à un risque de refoulement par les autorités algériennes à partir du 25 octobre, alerte la publication. Et plus loin, c'est l'Agence nationale des transports terrestres qui appelle tous ses usagers à retirer leurs plaques d'immatriculation dans les plus brefs délais. Éveil Info en parle et précise que c'est dans un récent communiqué que le directeur général de l'ANAT, Richard Dada, a invité les personnes ayant commandé des titres d'immatriculation, notamment des plaques d'immatriculation et des cartes grises, à venir les retirer au plus tard le 31 octobre 2024. Et dans les dernières secondes, FraternitéFM.bg nous informe que le village de Koufopiska dans l'arrondissement de Gouandé dans la commune de Matéri a été secoué par un violent affrontement ayant entraîné la mort de deux personnes. Les tensions récurrentes entre les éleveurs et les populations locales ont dégénéré en violence avec des habitations et greniers appartenant à des éleveurs qui ont été saccagés. Ce type d'incident n'est malheureusement pas une première dans la région et face à cette situation en cours depuis le dimanche 20 octobre 2024, la publication fait savoir qu'une intervention conjointe des forces de sécurité composée de policiers et de militaires a été déployée pour tenter de calmer les esprits et empêcher de nouvelles attaques ce lundi. Cependant, ajoute le journal, les tensions n'ont pas pu être contenues dans un premier temps et un des mineurs des attaques a été tué lors de l'intervention. Et dans un mouvement de colère, la foule a également pris pour cible un éleveur qui a perdu la vie, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. La retenez qu'à Matéri, on parle d'un violent affrontement ce lundi entre éleveurs et population. Deux personnes ont perdu la vie dans cet incident. Des habitations et greniers appartenant aux éleveurs de la localité sont saccagés. Vous avez eu les précisions. Le point focal Éduc Master à la direction départementale des enseignements secondaires du Bogou parle des nouveautés de cette plateforme et le suivi des notes des élèves, un outil qui est venu révolutionner la gouvernance au niveau des lycées et collèges. Vous avez eu les détails. Et puis les divergences politiques ne sauraient priver les Béninois en difficulté de leur droit de bénéficier du soutien de leur pays. Ce sont là les propos du porte-parole du gouvernement sur une chaîne de télévision privée. Wilfried Lengbedi a opiné sur l'arrestation et la libération de l'activiste Kémi Séba. Vous l'avez suivi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 15h pour le bulletin, 16h le flash inter, à 19h pour la deuxième grande édition de la journée. Portez-vous bien. C'était le journal sur Fraternité FM.